Au contraire, c'est une chose qui a une importance qui est immense. Et l'importance de cette fréquentation, elle apparaît également dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jour de la résurrection, les personnes qui se seront prises en amis intimes seront ennemis les uns des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin » Les amis intimes, le jour de la résurrection, seront ennemis les uns des autres. Mais les seuls qui seront sauvés de cela, ce seront les pieux. « Illa al-muttaqin » Ceux qui auront basé leur amitié sur la piété. Ceux qui auront basé leur amitié sur la foi. Et ce parce que on peut rechercher un ami pour trois raisons. Comme disait le cheikh Mohamed Al-Khidr Hussein, rahimahullahu ta'ala, et c'est un concept qui a même été développé avant cela par Aristote dans ce qu'il appelle la philia. L'amour que l'on peut avoir entre amis peut être basé sur trois choses. Avoir des amis, c'est basé sur trois choses. Soit c'est basé sur ce que nous, en tant que musulmans, on va appeler la piété, ce que lui appelait la vertu, c'est-à-dire la recherche de la religion, la recherche de la bonté, la recherche de la piété, la recherche de tout ce qui va être bon. Soit c'est basé sur l'intérêt. Parce que tel ami, il est riche. Quand je suis avec lui, c'est lui qui paye au resto. Il a une voiture.